Parce que pour trouver un emploi ici, on fait le tâtonnage. Au début de chaque journée, les apprenants se regroupent pour récupérer leurs badges et leur matériel avant de se diriger vers les différents chantiers écoles. En plus de leur salaire journalier, les apprenants reçoivent, à la fin du cycle d'apprentissage, une bourse d'installation, constituée d'une petite somme d'argent mise de côté pour chaque jour de travail effectué. Avec cet argent qu'on nous donne, je vais faire nourrir à mes familles. Moi, on m'appelle Irankunda Jean-Marie. Je suis maçon. Et après le programme, j'espère de continuer avec le commerce. Je m'appelle Justin Nyonguru. Je suis ouvrier dans le programme Parage. Oui. À mon bourse, je ferai l'agriculture et l'élevage. Ce que j'entends dans les CTB, c'est qu'au futur, après mes 9 mois de travail, j'aurai une fondation pour continuer ma vie. Merci. Et j'espère que dans l'avenir, je peux implanter mon propre restaurant grâce à une bourse. Plus de 20% du temps est consacré aux formations humaines et professionnelles. Je m'appelle Lambert Nzessavira, je suis formateur en mécanique automobile et je suis en train de former des gens du projet Pavage et ça fait déjà la 11e formation. Shure wo muri pavage nitwange na kumana ale naje kwiga ibintu vya velomoto ndifuza kubibandanya kuko bizongera kamaro keza mu kazi za kanje mwaramuse wenda kwishure wo muri pavage twagira mushaka velomoto tushaka kuzorora ndaje kufata ngo yugakare ugende kumurimo yugakare Adaptées au contexte particulier des communes, les différentes formations en alternance permettent une meilleure réinsertion socio-professionnelle des apprenants. Je travaille à la CTB programme Pavage. Je suis conducteur formateur, mais avant, j'étais en 2011 apprenant ici à la CTB Pavage. Mmh.
kumurimo tugakare ugende kumurimo. Finalement, des formations humaines et de développement personnel viennent compléter le cycle de formation des apprenants. Je m'appelle Bisabi Chakapour, je suis stagiaire école de formation à Kieska Amengi. Pendant les 9 mois que je viens de passer au programme Pavage, j'ai reçu une formation humaine, notamment l'éducation civique et aussi la gestion pacifique des conflits. Cela me permettra à mieux collaborer avec l'entreprise.